Ah, si on pouvait récupérer la 4G, ce serait bien. Mais je crains que ce sera une nouvelle fois un petit peu compliqué. Bon, on a relancé le trim. On espère que ce soit pas trop mauvais, mais j'ai quand même quelques doutes. Allez, virage ici de Maria. Zuidevelt de la Cadamine. Que vous voyez en bas de l'écran. Et c'est Leeuwenhoek qui entame son virage maintenant et qui a pris une belle avance. Allez, virage numéro 4, Laureline Marshall. Couloir numéro 2, 1, pardon, Julia Tonnet du Perron. Couloir numéro 5, Taya de l'Aquabla. Simultanément avec Claire Delarge du Perron. Couleur numéro 6, Maria Zuidevelt. Virage également. Les trois demoiselles sont déjà arrivées. Arrivée maintenant, couloir numéro 5 de Taya et couloir numéro 2 de Claire. Voilà, Maria qui finit cette longueur. Voilà, les nageuses montent sur le podium, enfin sur le tremplin, pardon. Et c'est parti. Couloir numéro 1, Lina Abdelkalek de Warem en 5-16-01. Couloir numéro 2, Laurine Delsar de Warem en 5-02-56. Couloir numéro 3, Elena Ouegria de Warem, toujours en 4,53,78. Couloir numéro 4, Clémence Bajot de Les Natations en 4,54,40. Couloir numéro 5, Jeanne Jorissen de Liège Natation en 5,04.
4, 37. Et couloir numéro 6, Clémence Gromada d'Aquabla en 5, 17, 30. Voilà, une série qui est donc notablement plus rapide que les précédentes. Minimum 15 secondes. Voilà, ici c'est la nageuse du couloir numéro 2, Laurine Delsar, qui semble avoir pris la tête au cours à cours avec Elena et Clémence, poursuivie par Jeanne. Ah, beaucoup de nageurs au bord du bassin, on voit pas très bien lorsqu'ils s'éloignent. Allez, Laurine, Elena et Clémence, dans cet ordre-là, je pense. Allez, ça commence à se détacher un petit peu. Allez, Laurine, Elena, Clémence, toujours le trio de tête avec Laurine qui prend ici une belle avance. Peu de choses à dire si ce n'est que Clémence lâche un petit peu au profit de Jeanne Jorissen, je pense. Sa camarade d'entraînement, respectivement 3 et 4e. Allez, vous voyez, ça se dessine quand même. 400 mètres, c'est long. Laurine, Elena, Clémence, Jeanne. Allez, Clémence Gromada, virage ici en bas à votre écran. Et Lina Abdelkalek, virage là-haut. Allez, superbe course. Allez, c'était la finale à 2011 féminine. On va passer maintenant à l'épreuve numéro 8 avec les hommes.
Voilà. Trois nageurs donc. Enzo De Genio, MHN en 5,48,92. Arthur Gélis, couloir numéro 3 du Perron en 5,40,06, c'est le plus rapide. Et couloir numéro 4, Romain Laurent Collard du Mosan en 5,41,99. Allez, trois nageurs qui sont vraiment côte à côte là. Arthur, je pense, qui a pris la tête. Suivi de Enzo et Romain dans cet ordre-là, je pense. Allez, virage des trois garçons quasiment simultanément. Romain qui ne se laisse pas distancer. Enzo non plus.
Et voilà, fin de la course. Alors, épreuve numéro 8 de nouveau. Allez, couleur numéro 1, Maxime Ferrari du Perron en 5-15-99. Couleur numéro 2, Per Yanen de Warem en 5-0-1-0-6. Couleur numéro 2, Alexandre Glotkiewicz de Warem en 4-36-81. Couleur numéro 4, Raphaël Salbré-Saint-Sèche du Mozan en 4-47-01. Couleur numéro 5, Duarte Shaw de Warem en 5-0-2-34. Et couleur numéro 6, Owen Oudenburg de Waterloo Natation en 5-36-14. Alors vous voyez, ça nage vite. Alexandre et Raphaël au coude à coude. Duarte en embuscade. Allez, les trois nageurs. Allez, beau virage ici d'Alexandre qui reprend légèrement l'avance. Allez, ici c'est Raphaël qui reprend l'avance. Belle course. Vous voyez la vitesse et l'intensité. Hein. On est sur une course qui va tourner aux alentours des 4,40. Sans jeu de mots. Allez, toujours un beau virage d'Alexandre qui prend systématiquement un mètre dans les virages.